via la ragione di separazione M e la ragione da dove esce. Questo è tutto possibile, il direttore della ragione di separazione, il pastore Emanuele, più fuori di questa. Christ,
Pasteur, et bien, ce chapitre est invité à venir au microphone pour la lecture du psaume 126, c'est le pasteur de l'église Baptiste, de l'enquête d'une église à la dimension d'Antiste. Faisons la lecture de la parole de Dieu. De la psaume, chapitre 26. 126, les excuses. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse. Quand il porte ce genre à l'air. Je rappelle que nous assistons au concert de la joie, concert faisant partie des activités marquant le 50e anniversaire de direction indigène de la Convention Baptiste. Et à présent, nous allons entendre le cœur des dames de la première église baptiste de Tampou. Morceau, il sera suivi par la chorale d'harmonie des élus de la première baptiste du corps de Christ. D'abord le cœur des dames et ensuite la chorale d'harmonie des élus de la première baptiste du corps de Christ. Profitons de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous écoutent. Cette présente minute, le concert de ce soir, le concert de louange, le concert de joie, est dédié à tous nos auditeurs, particulièrement les membres des églises de la Convention Baptiste d'Haïti, qui célèbrent cette année 50 années d'histoire. Nous sommes en direct de la première église baptiste de Port-au-Prince et le cœur des dames se prépare pour exécuter un spécial à la louange de notre Dieu. Yeah.
Thank you.